L'affaire de ce qu'on appelle la possession de Loudun, qui se passe donc au début du XVIIe siècle, est une affaire dans laquelle des jeunes Ursulines enfermées vont accuser un prêtre, le prêtre de la ville, d'avoir envoyé des diables dans leur corps, et autour de cette affaire de possession diabolique se trament donc des complots politiques, des enjeux religieux et aussi évidemment des querelles tout à fait personnelles. Ce fait divers a beaucoup impressionné de manière générale les artistes au 19e et aussi au 20e siècle parce qu'il avait une intensité tout à fait particulière. Il a inspiré des compositeurs d'opéra, il a inspiré des cinéastes ou des auteurs de théâtre, mais on n'en avait jamais fait la matière d'un roman historique et il me semblait qu'avec le roman historique, on pouvait tenter de comprendre, j'allais dire, de l'intérieur même des personnages, la manière dont ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un délire historique a pu prendre corps, prendre chair et se constituer comme réalité. Cette affaire de possession est authentique et c'est comme ça que ça a été jugé à l'époque, c'est-à-dire qu'effectivement des diables sont entrés dans le corps de ces pauvres moniales et on pourrait dire tout à l'inverse qu'au fond ces jeunes filles qui s'ennuyaient beaucoup ont constitué une espèce de vaste farce et de théâtre au travers desquels elles finissent par accuser le prêtre de leur ville. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de ne privilégier ni l'hypothèse de l'authenticité de la possession, ni l'idée qu'effectivement c'était de sacrées farceuses, mais qu'il s'agit véritablement d'une espèce de psychose collective. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette psychose collective va être politiquement instrumentalisée. Parce que derrière, il y a Richelieu, il y a des enjeux politiques tout à fait précis. Et au fond, qu'est-ce que c'est que l'affaire de Loudun? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quand même la manière dont, à partir d'un, dont le politique va se saisir d'un délire érotico-religieux pour précisément affirmer sa force et son pouvoir. On constate effectivement au XXIe siècle même un regain, si vous voulez. Quand je dis un regain, je veux dire que de plus en plus de gens croient effectivement à l'existence du diable. Je ne dirais pas tout à fait dans la même forme, mais on peut imaginer que des espèces de délires collectifs se mettent en place, c'est-à-dire des paranoïas, par exemple, qui prennent forme, et que ces délires vont avoir des effets de réalité très puissants, c'est-à-dire vont amener à la condamnation ou à la mort d'hommes ou de femmes. Ça, oui, c'est-à-dire que ce qui demeure, c'est cette puissance du délire collectif, ça, oui.